Jésus t'a délivré d'un enfoutement, if Jesus has delivered you from bewitchment, cours et viens rendre témoignage. Run and come and testify. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Jésus a demandé, qui m'a touché? Jesus asked, who touched me? Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas qui l'avait touché. It's not because Jesus didn't know who touched him. Il connaissait très bien. He knew very well. Mais il voulait briser l'habitude humaine de cacher les bénédictions de Dieu. He wanted to break the human habit of hiding the blessings of God. Tu as touché Jésus. You've touched Jesus. Viens le glorifier. Come and glorify him. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu était au rendez-vous encore hier. Bien-aimés frères et chers amis invités, ce que le Seigneur Jésus a fait à Damas, à Éphèse, à Corinthe, à Capernaum, à Césarée, il a reproduit les mêmes choses hier à Dieu-Croix. Hier, le pasteur a beaucoup insisté sur les maris de nuit. C'est comme si l'usine des maris de nuit, l'usine de fabrication des maris de nuit a été démolie hier. Comme rapport rapidement, la journée d'hier, les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, 190 personnes. Les démons chassés qui parlaient, que nous avons vu, comme le pasteur disait, 612 démons chassés. Guérison instantanée. Sur le champ, 550 guérisons instantanées. Les baptêmes. Au niveau de l'équipe de délivrance, nous avons enregistré 17 baptêmes. Je vais rendre 3, 4, 5 témoignages. Ce que le Seigneur Jésus a fait hier. Plusieurs maris de nuit sont partis. Mais de plusieurs manières. Il y a une sœur. Pendant que les frères priaient, le mari de nuit ne voulait pas partir. Et la main du mari de nuit avec le doigt de la sœur était croisée. Donc au fur et à mesure qu'on priait, il résistait. Le croisement se faisait de quelle manière? Vas-y. De cette manière-là, comme ça. Deux auriculaires. Les deux auriculaires serrés. Pendant que le frère était en train de prier, toutes sortes de prières, le Seigneur Jésus lui-même est descendu en personne. Alléluia. Il a tranché la main du mari de nuit. Et il est tombé, il a fui et la sœur a été délivrée authentiquement. Jésus-Christ, amen. Il a assis sur le trône. À notre niveau, toujours, un mari de nuit. La sœur s'occupe de la délégation étrangère. C'est son père lui-même qui était le mari de nuit. Oui. Quand nous avons demandé son nom, il a dit son nom. Que je vais taire le nom. Pendant qu'on priait, il résistait de son côté. Nous avons reçu que celui-là, il faut couper ses gonades, il faut couper sa partie intime. Quand nous saisissons depuis de nous tranchons ta partie, il dit, tu es mauvais, mais ça fait mal. Il a crié et puis il est parti. Jésus-Christ. Au
authentiquement délivré. Une autre sœur, le mari de lui l'a transporté dans la forêt. Et c'est dans la forêt qu'il résistait. Frère, à un moment donné, pendant que le pasteur insistait sur la prière, une lumière a apparu dans la forêt. La présence du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous prions, le pasteur conduisait la prière ici. Quand la lumière a apparu dans la forêt, le mari de nuit s'est vu écarté. C'est-à-dire que le Seigneur l'a enlevé comme une feuille, l'a déposé là-bas. Et le Seigneur était auprès de la sœur maintenant. Il voulait venir. Le Seigneur, le frère dit, dans une vision, il a vu le Seigneur seulement tendu la main comme ça. Un feu est sorti, il a projeté, il est tombé de l'autre côté. Jésus-Christ. Jesus Christ. Une autre sœur qui avait les difficultés. Pendant que le pasteur priait, pendant qu'il priait pour les maladies, la sœur avait un problème de cécité. Elle avait du mal à voir. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas de loin. Et pendant que le pasteur insistait sur les maladies, c'est comme ça qu'elle a eu les vertiges, qu'elle est arrivée à notre niveau. Quand les frères ont prié, celle qui ne voit pas de loin, qui ne voyait pas de loin, un frère s'est arrêté à distance pour dire, regarde mes doigts, c'est combien? Elle dit, c'est deux. C'est combien? Trois. C'est combien? Cinq. C'est fini. Jésus a mis son tampon. Frère bien-aimé, le cas d'hier, il y a eu plusieurs manifestations de Marie de nuit et tous les maris de nuit sont partis. Aucun mari de nuit n'a résisté. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Même ce matin, le Seigneur continue de délivrer. Nous avons prié ce matin pour un frère. Il avait des œdèmes au niveau des pieds. Il avait du mal à respirer. Après la prière, il dit c'est comme quand il respirait. Par le passé, il sentait une boule au niveau de la poitrine. Quand nous avons fini de prier pour lui, un petit test. Lui a demandé de faire le tour de la bâche. Il a fait le tour. On lui a demandé de courir. Il a couru. Après, pendant qu'il courait, quand il est venu s'asseoir à notre niveau, on lui a demandé quelles sont tes impressions. Il a dit, pendant que je courais, une boule est sortie de ma poitrine et est partie. J'ai senti des frissons en moi. Maintenant, je respire normalement. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Frère, je voudrais dire merci à notre Dieu. L'équipe de délivrance par ma voix. Vous voudrez témoigner toute notre reconnaissance à notre Dieu pour tous ces témoignages, toutes ces délivrances que le Seigneur Jésus a opérées. Lui-même, à lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marc Guessin et mon faisant des disciples, c'est l'ancien Esau Louès. Je vais rendre grâce au Seigneur, ce Dieu tout-puissant, très très puissant, qui m'a délivré de la mort. Hier, quand nous étions ici, et nous avons pris le car pour rentrer. Et les esprits se sont manifestés dans le car. Les frères ont crié à Dieu. Ils ont chassé les esprits de mort. Et le Seigneur est descendu dans le car. Et il m'a délivré de la mort. Je signale que chaque 8 juillet, je tombe malade. Et ce 8 juillet qui est passé tout récemment, j'étais malade. Mais je suis venue à Thier quoi quand même. J'ai même pas pu faire la prière, mais j'étais là. Le 9, j'étais là. Et hier, quand nous partions pour la maison, les esprits se sont manifestés. Et le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Je suis là pour dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré de la mort. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Wilfried Kaoubi et mon frère disciple est le pasteur Enoch Oka. Gloire à Dieu. Je suis de la zone de Yopougon. J'aimerais bénir le nom du Seigneur, lui qui m'a guéri hier. Gloire à Dieu.
Hier, quand je venais, je ne me portais pas bien, gloire à Dieu. J'avais des maux au niveau des mollets et au niveau de la hanche, gloire à Dieu. Et hier, par la grâce de Dieu, le Seigneur a utilisé le pasteur Meunier pour prier pour toute maladie, gloire à Dieu. Et il avait dit comme ça que la maladie ne devait pas exister dans notre corps, que ce n'était pas normal, gloire à Dieu. Et j'ai prié de toutes mes forces. Et frère, après la prière, dès que je suis rentré, j'ai déposé mon sac, gloire à Dieu. La douleur a disparu. Je vais bénir le nom du Seigneur, que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Kwame Akissi Esther. Je viens de Konofla. Et mon témoignage, c'est un témoignage de bienfait. C'est pour vous dire que notre Dieu est puissant. Notre Dieu a délivré ma famille sous l'ampli du diable. L'année dernière, dans le même endroit, je suis venu dire que lorsque j'ai cru et que je suis rentré en famille, je dirigeais une église. Lorsque je suis arrivé et que j'ai prêché l'évangile que j'ai saisi ici, tout le monde m'a quitté. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Parce qu'avec la prière et les conseils de notre leader ici, ça m'a donné la force, le courage de persévérer toujours dans la prière. Une seule personne qui m'est restée, et on a intercédé. Et aujourd'hui, où je vous parle, nous sommes 57 personnes que nous adorons à la Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et encore, dans mon village, chez moi, dans ma maison, j'ai des frères que je les ai invités à Konofla et je les ai prêché l'évangile. Ils ont cru et ils sont partis au village. Aujourd'hui, il y a une assemblée dans mon village, dans ma maison. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour le missionnaire de Bobo. Je rends toute la gloire à notre Dieu pour le pasteur Meunier, pour son soutien, pour ses conseils qu'il me donne jour et nuit. Je bénis Dieu pour le frère Tala, pour son soutien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Awala Clotilde, je viens de Yaoundé au Cameroun. Je voudrais beaucoup remercier Dieu parce que dès le début de ce ministère, de cette croisade, j'ai été guérie du genou. Ça faisait plusieurs années que je souffrais du genou. Et je voudrais noter que ma maman a beaucoup souffert du genou et elle a fini paralysée jusqu'à mourir sans guérir. Mais ici, là, j'ai été guérie. Gloire à Dieu. Je voudrais encore remercier Dieu. Je crois que ça, c'est même d'ailleurs le meilleur. Parce que j'ai fait le brisement de lien une fois de plus ici. J'avais déjà fait, mais ici, on a encore refait. Et quand on a travaillé sur les dieux que les parents ont adorés, pendant qu'on priait pour moi, on a juste vu un gros serpent qui s'enroulait et je remercie Dieu parce que c'est là où j'ai été désenvoûtée. Je voudrais dire que dans ma famille, j'ai perdu 3 cadets de mort qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et surtout, il y avait une cadence de 3 ans, comme si c'était une cotisation. Et quand j'ai eu ma délivrance, mon désenvoûtement, c'est là où j'ai su que, c'est le serpent qui envalait mes cadets. Mais je remercie Dieu parce que ma famille est désenvoûtée. J'ai cru il y a près de 37 ans, mais dans ma famille, personne ne croit. Mais je sais que maintenant qu'ils sont libérés, ils vont croire. Gloire à Dieu. Oh, sans acclamation. C'est Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Akishisha Julienne. Je suis venue sur le site ici par l'invitation d'un inconnu, quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'étais en ville pour mes courses et le monsieur m'a approché. Il dit, Madame, je vous invite à la croisade. Je dis, mais monsieur, moi je ne suis pas en ville ici, je suis au village. Donc je ne peux pas être à la croisade. Il m'a dit, mais la croisade là, ça se tient où? Il dit, c'est à Atiekwa. Bon, moi j'ai cru que c'est dans le village d'Atiekwa.
Donc, lorsque je suis rentré voir mon directeur, que je suis sorti, je n'ai plus revu le monsieur pour prendre de plus amples informations. Donc, je suis rentré chez moi au village et c'était le jeudi 29 juin. Je suis arrivé au village toute la nuit. J'étais très malade jusqu'au point que le lendemain matin, je ne pouvais même pas me lever du lit. Et j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des boutons sur la peau. Donc, vendredi, samedi, là, c'était le comble. J'avais mal. Les boutons étaient sortis sur ma peau, on dirait qu'on m'a renversé l'eau chaude dessus. Et jusqu'à dimanche, c'était de gros boutons, très douloureux. Et vraiment, ma souffrance, elle était atroce. Je pleurais. Et ma soeur me dit, mais va au dispensaire, ils vont te faire des injections pour calmer un peu les douleurs. J'ai dit, je ne vais pas. Et j'étais restée. Comme les enfants criaient, je me suis éloignée du salon. Et puis là, j'étais assise et j'ai vu ma maman, elle est de la confession CMCI. Elle passait. Quand elle passait, elle m'a saluée. Et puis j'ai dit, mais maman, tu m'as saluée, mais ne va pas, viens. Et quand elle s'approchait de moi, elle a vu mon corps et puis elle a crié, mais c'est quoi ça? J'ai dit, ah maman, je souffre. Mais avant qu'elle ne parte, je lui ai dit, mais maman, on m'a dit qu'il y a une croisade qui doit se passer quelque part à Tiqua. Donc moi, je me disais que c'est dans le village d'Atiqua. Elle dit, ah, mais c'est chez nous là. J'ai dit, mais maman, je veux aller là-bas. Elle dit, oui, c'est pour ça que j'étais invitée un jour. J'ai dit, on ira à la croisade un jour. Et effectivement, le jour est venu. Nous sommes venus ensemble. C'était le mardi dernier. Mardi dernier, nous étions là sous les bâches. On a prié avec le serviteur de Dieu. Et maintenant, quand on a demandé, mais qui veut donner sa vie au Seigneur? J'ai levé ma main. J'ai crié, moi. Mais le pasteur vous appelle. Donc, j'ai couru sur les lieux ici. Nous étions là. Et on a été reçus. Quand on a été reçus, nous sommes retournés à nos places là-bas. J'ai vu que je ne ressentais plus de douleur. La douleur que je ressentais au point que je ne pouvais même pas m'habiller là. Ou je ne pouvais même pas porter un habit. Là-bas, je ne ressentais plus de douleur et je passais ma main sur mon corps. Je voyais que les boutons là étaient devenus plat. Plus de douleur. Offrant d'acclamation. Clap offering. Avec les petits-enfants. With little children. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. Et c'était une guérison instantanée. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et ma joie était débordante. Quoi? Ah, je comprends maintenant pourquoi lorsque nous étions descendus des cars, j'ai vu le site là. Mais c'était un site, un beau site. On dirait qu'on était dans le ciel. Et je me disais, mais je suis arrivé à Cana. C'est ici la terre promise. Et maintenant, je faisais ma prière. J'ai dit, mais Seigneur, ton oeil n'est pas encore arrivé, mais toi, je sais que tu es dans ces lieux. Je sais que tu es là. Non, Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te croiser. Ne me laisse pas retourner comme je suis venu. Et le Seigneur a opéré son miracle. Donc, ce soir, je suis venu lui rendre toute la gloire, lui dire infiniment Thank merci. You. Mais il y a un petit mot que je dois ajouter, c'est un petit témoignage d'une, deux minutes. Parce que là, depuis 2016, j'ai perdu mon mari. Et quand je me couche là, je ne vois que les esprits de mort. Mon mari lui-même, mes parents, mon père, ma mère, tous les gens que je connaissais qui étaient morts, je les voyais, on vivait ensemble. Et ça me rendait plus malade. Mais lorsque je suis partie d'ici le mercredi, j'ai dormi comme un bébé et un nouveau-né. Jésus-Christ. Comme un nouveau-né. J'ai dormi jusqu'à l'état jour, je n'ai pas su qu'il était jour. Parce que ce jour, je n'ai vu aucun mort. Les semeurs acclament. So as clam. Jésus-Christ. Il vous faisait des disciples parce que c'était des gynores. Il vient de Sucrivois. Gloire à Dieu. Il vient dire merci au Seigneur, lui qui a délivré mon fils de la mort précoce. Faut dire avant-hier, nous étions en train de prier. Et un coup, il a commencé à vomir. Et les frères de la délivrance sont venus me chercher. Arrivé à leur niveau, il a commencé à pleurer. Moi, je ne comprenais rien. Et les
des fois, on commandait l'esprit de se calmer. Gloire à Dieu. Et un coup, tout a devenu noir. Et dans le noir, je voyais quelqu'un qui venait. Je regarde la personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée. Gloire à Dieu. Et je vois encore, c'est mon fils qui était dans sa main. Et j'ai commencé à crier, mon enfant, elle a pris mon enfant, elle a pris mon enfant. Et il y a quelqu'un qui est venu, la personne a pris l'enfant et m'a remis l'enfant. Gloire à Dieu. Et dis merci au Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Elle a oublié un détail. Les frères n'ont pas dit à l'esprit de se calmer. L'esprit qui pleurait, Les frères ont dit à l'esprit, tais-toi, dis ce que tu es venu faire. C'est comme ça l'esprit a commencé à parler. Quand il a dit ce qu'il était venu faire, les frères l'ont chassé et il est parti. Ils ne l'ont pas calmé. Alléluia. C'est très important. Nous, nous ne calmons pas les esprits. It's very important because we don't calm down spirits. We cast them out. Amen. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Le Seigneur est bon. Mon fils qui devait partir en Europe, il a fait ses papiers. Les papiers, son visa est sorti, mais sa photo. Non. Hein? Je m'appelle le voyant Adèle. Donc, il est parti prendre son visa. Qu'il est parti sur les lieux. Sa photo n'est pas figurée sur le papier, mais le nom est écrit. Le monsieur dit non, mais ta photo n'est pas figurée. Comment tu peux partir? Il a pris les papiers, il est venu. Il est parti chez moi à Derof. Il m'a trouvé en pleurant. Il dit, mon frère, mon fils, ne pleure pas. Dieu a déjà écrit ton nom dans le livre de vie. Tu vas partir. Où Jésus qui t'a dit quoi? Tu vas partir. Le mercredi passé, tout près là. Il allait prendre ses papiers encore. Il vient dans la joie. Maman, le mercredi, je prends mon vol. Je dis, oh, mon fils, je t'avais dit que à Dieu quoi? Le Seigneur est là. Le Seigneur est dit à Dieu quoi? Donc ne baissez pas les bras, frères et sœurs. Faites comme moi. Aujourd'hui, il est là-bas. Il m'appelait hier. Oh, maman, je suis arrivé. Je dis, n'oublie pas Dieu quoi? Le beau cadeau que Dieu m'a donné, je suis venu le remercier. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Gota Alida Pamela. Je faisais des disciples, maman Gazwa Déborah de Grand là-haut. Gloire à Dieu. Je viens bénir le Seigneur pour la grande bénédiction qu'il m'a donnée cette année. L'année dernière, nous sommes venus, nous avons vraiment prié pour que le Seigneur bénisse les frères. J'avais, dans mes 10 sujets de prière, j'ai mis que le Seigneur me bénisse avec un grand espace, plutôt. J'étais dans un conteneur de 2 mètres carrés et j'étais cachée. Mais quand nous sommes venus, nous avons prié. Quand je me suis retournée, le Seigneur m'a béni avec un espace de 4 mètres 30 carrés à un grand carré fou. Gloire à Dieu. Et j'ai déposé le conteneur, mais l'espace est encore grand qui reste. Je retourne pour aller achever. Gloire à Dieu. Parce que le Seigneur m'a déjà béni. Il m'a délivré avant-hier quand nous avons prié pour la pauvreté. J'ai fait un songe où dans lequel le pasteur Meunier est venu bénir les personnes qui sont quittées à Grand là-haut, que j'ai reconnues dans le songe. Et après, j'ai vu que dans le lieu où j'ai installé mon conteneur, il y avait une dame qui était allée vendre là-bas. Et je suis arrivée, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dit que comme je ne suis pas là, voilà pourquoi elle est venue s'installer. Je lui ai dit, prends tes barrages et quitte ici. Et elle a pris ses barrages et elle est sortie de ma boutique. Gloire à Dieu. Et j'ai béni le nom du Seigneur quand je me suis réveillée. Parce que j'ai compris que... Acclamation pour cette victoire. Clap offering for that victory. J'ai compris que le Seigneur venait de me délivrer de la pauvreté. Que la gloire lui revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Karen Yao. J'ai pour faire des disciples maman Colette Gay. Et je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de 2 esprits. Alléluia. Un esprit de mari de nuit et un esprit méchant qui me donnait la honte à chaque fois. Alléluia.
Le premier jour du renversement des principautés, je n'étais pas ici. J'étais sur Marabadiassa, chez mon époux. Et depuis janvier, mon époux a eu un travail sur Marabadiassa. Et à chaque fois qu'il doit rentrer à la maison, je saignais. À chaque fois qu'il doit rentrer à la maison, je saignais. Je saigne jusqu'à ce qu'il parte. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que je sois à Marabadiassa le 23 juin. Et depuis le jour où je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à saigner. Et jusqu'au 8e jour, j'ai appelé mon papa, le pasteur Guépon, pour lui expliquer ce qui se passait. Et pendant que je lui parlais, je lui ai dit que je fais des songes dans lesquels il y a un homme qui me fait la cour. Et je lui dis à chaque fois que je suis mariée. Il m'a dit, le problème vient de toi. Parce qu'on pensait que c'était mon mari qui avait une femme de nuit. Il m'a dit, le problème vient de toi. C'est un mari de nuit qui est en train de rivaliser avec ton mari. Alléluia. Et le premier et le deuxième jour du renversement des principautés, le pasteur a insisté sur les maris de nuit et a commandé aux maris de nuit de ramasser leurs effets et de s'en aller. Alléluia! Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ nous a visités là-bas. Alléluia! Et après le dimanche, le lundi, le mardi, j'ai vu que je ne saignais plus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Avec des cris de victoire, Jésus de Nazareth. Shout of victory, Jesus Christ of Nazareth. Et mon époux et moi, on a décidé d'expérimenter la délivrance. Parce qu'il faut dire qu'on essayait même d'aller pendant les menstrues. Je saignais comme si on avait égorgé un animal. Et on a expérimenté la délivrance. Et on a constaté ensemble que je n'ai plus saigné. Alléluia. Non, je me tiens ici pour dire merci au Seigneur pour cela. Et la deuxième chose est que depuis le mariage que je suis là, je ne sens pas le besoin d'uriner. Dès que je sens le besoin d'uriner, en même temps, ça commence à couler. Et on pensait que c'était une maladie. Nous sommes partis faire les examens, tout ça. Et hier, quand je suis arrivée, j'avais porté la tenue des sémeurs. Après la louange, j'ai senti le besoin. Et j'étais en même temps stressée. Je cherchais rapidement les toilettes. Le temps j'allais arriver dans les toilettes, j'avais déjà uriné sur moi. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. J'avais déjà uriné sur moi et je ne m'étais plus à l'aise. À chaque fois, c'est comme ça que ça me fait. Même au travail, je n'étais plus à l'aise. Et en venant m'asseoir, je disais, tu fais tout pour que j'ai honte. Tu fais tout pour mettre la honte sur moi. Qu'est-ce que j'étais fait? Et pendant la prière ici, le pasteur a commandé à l'esprit qui donne la honte à travers les urines. Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore visité. Jésus-Christ. Jesus Christ. Aujourd'hui, pendant qu'on avait la chaîne de louanges, j'ai senti le besoin d'uriner. Et je suis partie dans les toilettes qui sont derrière. Et arrivée là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas l'eau. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai retenu une parole du pasteur qui disait, fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Alléluia. Et j'ai gardé le calme. J'ai pris mon temps pour marcher. Et je suis partie en bas. Ils sont pulvérisés le coin. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas arriver là-bas. Donc je me suis retournée tout ce temps et je suis repartie là-bas. Jésus-Christ, la voilà délivrée, set free de l'opprobre. From shame. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Lui rend toute la gloire. Amen. Délivré de l'opprobre. Delivered from shame. Jésus-Christ est fidèle. Je me nomme Toyou Clémence. Moi faisant des disciples. C'est pasteur comme Sébastien. Je viens de San Pedro. Alléluia.
dit, le pasteur Meunier. Alléluia. Alléluia. Vraiment, Jésus est ici. Alléluia. J'ai parcouru toutes les églises. J'étais au réveil, mais je n'ai pas vu de Jésus comme ça. Alléluia. Vraiment, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Hier, quand nous sommes venus à la prière, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais à la prière. On parle de la gloire de Jésus. On dit la gloire de Jésus, mais Seigneur, montre-moi vraiment la gloire de Jésus. Alléluia. Je veux vraiment voir la gloire, ta gloire. Vraiment, je m'en vais à la CMCI. Je m'en vais au renversement des principautés. Seigneur, il faut faire quelque chose pour moi. Et hier, le pasteur a prié. Il a prié beaucoup de sujets. Il a prié d'abord la sirène des eaux. Et quand il a commencé à prier, à combattre l'esprit de la sirène des eaux, j'avais une boule dans mon ventre. La boule a commencé à me faire mal. Mon ventre me faisait mal fortement. Et j'ai commencé à avoir douleur forte. Au moment où j'étais assise, je voyais les choses sortir de mon ventre. Et c'est tombé dans mon slip, croyant que c'était mes menstrues. Alléluia! Mais je ne savais pas que c'était autre chose. Et il a commencé encore à prier. Je sentais la douleur, je sentais la douleur. Et après, il a prié encore sur le serpent. Après, il a commencé à prier sur Marie de nuit. Il a commencé à prier encore sur les chaînes, les prisons. En tout cas, quand il est arrivé sur la prison, je ne pouvais pas, mes pieds là, je ne pouvais pas tenir dessus. Alléluia. Il y a des choses qui quittaient moi, qui descendaient. Et mes pieds, mes deux genoux, j'étais paralysé. J'ai commencé à crier. J'ai crié, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Si c'est un envoûtement ou bien si c'est une prison spirituelle, casse la prison et enlève-moi dedans. Alléluia. Et la douleur a commencé à descendre, à descendre. Quand c'est parti au niveau de mes pieds ici, là, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. J'ai commencé à crier, crier, crier. Ils sont venus me prendre pour m'amener à la délivrance. Et ils ont commencé à prier, prier. Au moment où on priait, le démon voulait parler pour dire, je ne veux pas quitter. Mais moi, j'ai dit, tais-toi, tais-toi. Ici, c'est le lieu de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir encore pour parler ici. Et les gens ont commencé à prier. La délivrance a prié pour moi. Et c'est parti. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur. Je vais bénir le nom de Dieu qui m'a délivré de la sirène des eaux et la prison au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Je suis la sœur Didier Esther. C'est mon époux qui est à côté de moi. Nous sommes disciples du pasteur Traillé. Alléluia. Nous aimerons dire merci à Dieu pour la vie qu'il a donnée à notre fille. Nous sommes mariés depuis décembre 2021, le 16. Et pendant lors du mariage, nous avons perdu notre carnet de mariage. Et dès lors, plus de grossesse. Excusez-moi, livret de famille. Et dès lors, plus de grossesse. À chaque moment, quand il y a les retards, ça passe. Et en juin passé, nous sommes venus pour le nettoyer d'Atiekwa. Et en nettoyant, j'ai perdu mon alliance. Et les merveilleuses soeurs m'ont aidé à retrouver mon alliance. Quand j'ai retrouvé l'alliance, j'ai dit à Dieu, ah, bénis les soeurs et bénis-moi. Et après le renversement de principauté de l'an passé, en octobre, août, septembre, octobre, j'ai constaté que j'étais enceinte. Alléluia. Frère, quand j'étais enceinte, j'étais très contente, très heureuse. Et nous sommes partis chez notre faiseur de disciples, il a prié pour nous. Et la grossesse s'est passée normalement. C'était pénible, mais c'était bien. Alléluia. Et après ça, il y a eu l'accouchement. Frère, c'était difficile. C'était très difficile. En même temps que j'avais mal à la hanche, j'avais mal au bas-ventre, tous mes pieds tremblaient. Ils m'ont fait des injections. Je criais à haute voix. Et finalement, nous avons fait appel au pasteur Traillé. J'étais sur le lit d'hôpital, en train de crier à gorge déployée. Mon mari a prié, ne savait plus quoi faire. Et le pasteur Traillé m'a rendu ministère. Quand il a fini, frère, j'ai pu accoucher. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là.
J'ai dit à Dieu que je voulais une fille. Et il m'a donné cette merveilleuse sœur. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Et après cela, quand nous avons fini l'accouchement, nous avons traversé des moments très difficiles financièrement. Jusqu'au point que depuis vendredi, la petite ne se portait pas bien. Et on avait des médicaments là-bas, on lui a remis. Elle a pris les médicaments. Et quand elle a pris le médicament, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais commencer par hier. Le diable a failli nous arracher notre fille. Elle a commencé à avoir des toux, une toux vraiment exagérée. Elle toussait, toussait, toussait jusqu'à s'étouffer. Et nous avons appelé le pasteur Traé. Et il est intervenu par la prière au téléphone. Il a jugé cet esprit et la toux s'est calmée. Alléluia. Donc nous avons dormi. Nous sommes couchés et j'ai eu un songe. Dans le songe, je me suis retrouvé quelque part avec un monsieur et je voyais quelque chose qui était emballé dans un sachet. Et je vais là, je vois que c'est ma fille dont ils ont pris le sachet pour fermer sa tête. Et j'ai commencé à déchirer le sachet, déchirer, déchirer, déchirer jusqu'à ce qu'il reste un seul sachet. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse qui était debout avec l'enfant, prions le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous avons prié le Seigneur. Dès que nous avons entamé la prière, la toux a commencé, la toux a repris de façon exagérée au point où ma fille a commencé à baver. Elle a commencé à baver. Et on a commencé à appeler le pasteur Traé, mais il n'avait pas décroché, peut-être qu'il dormait, je ne sais pas. Et elle a eu l'idée, on a appelé notre papa ce matin. Alléluia. Et peut-être que c'est nous qui l'avons réveillé. Dieu s'est glorifié. Il est intervenu. Il a chassé la toux, il a chassé l'esprit de mort derrière. Et la toux s'est arrêtée instantanément. Jésus. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et je suis allé à la pharmacie, les médicaments qu'on avait prescrits, j'ai acheté. Et je suis rentré, je lui ai donné les médicaments. Et nous sommes venus ici pour rendre ce témoignage au Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il nous a fait éviter la mort soudaine. Et que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Je suis le frère Elie Kambo. Je viens du Gabon. Je veux rendre compte de ce que le Seigneur a fait pour moi. Cette nuit, au moment où on était en train de désinfecter la construction, on est sorti de nos chambres. Mais j'ai amené avec moi mon cartable pour lire pendant qu'on attendait qu'on retourne dans les chambres. Malheureusement, quand j'ai commencé à vouloir lire, je me suis aperçu que je n'avais plus ma paire de lunettes. Et je me suis dit, moi qui ne lis depuis un certain temps, qu'avec des lunettes, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai pris deux cantiques de notre cantique, le 134 et le 42. Après la louange, j'ai donc pris le livre que nous avons lu ici, il y a trois jours, sur le renversement des principautés. Curieusement, au moment où j'ouvre le livre, je commence à lire correctement, alors que jusque-là, je ne lisais qu'avec les lunettes. Donc, je remercie le Seigneur pour m'avoir renouvelé la vue. Et à quel âge? À 81 ans. Merci. Je me nomme Traoré Kader. Un jour, j'étais là fin avec ma maman, et puis il y a une femme qui est venue me donner un foulard. Le foulard, il est noir, il était dans un châssis. Elle m'a remis et puis elle m'a dit qu'il y a un tassumètre qui va venir chercher. Que ma maman est venue, elle m'a dit qu'un tassumètre ne va pas venir chercher, que ses bagages étaient donnés. Le foulard, il est déposé à côté de moi. Depuis ce jour, je ne me suis plus retrouvé. Quand je me lève, je sens que je veux tomber. Il y a un esprit qui rentre dans moi.
Ma tante m'a dit qu'elle n'a qu'à venir ici. Elle est venue, elle a prié pour moi. Je n'ai plus ressenti ce mal-là. Que la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marie-Josée. Je veux rendre toute la gloire à Dieu, lui qui m'a délivré de l'esprit de mort. Il faut dire que depuis un temps, tout le temps malade, je n'arrivais même pas à travailler. Quand je trouve du boulot, la maladie fait que j'arrête le travail, au point où je ne pouvais pas jeûner aussi. Mais cette croix-là, j'ai demandé à Dieu de m'accorder cette grâce de jeûner. Mais depuis le début, je n'arrivais pas. Quand je commence, je suis malade, je ne me sens pas bien. Et avant-hier nuit, en son, il y a une dame qui me dit que j'avais l'esprit de mort qui tournait auprès de moi et que j'étais dans la vague de ceux qui étaient déjà morts. Et j'étais troublée quand il me suis réveillée. Il a dit qu'il fallait que je sois ici pour prier parce qu'il savait que le Dieu d'ici allait faire quelque chose. Et je suis arrivée hier après la prière. En songe ce soir, une soeur qui est venue me rendre visite, une amie qui était morte. Et dans le songe, je dis, mais elle est rentrée, elle s'est installée comme si... Je dis, mais tu fais quoi là? Tu es morte? Elle dit, non, elle veut se justifier. Je dis, non, tu es morte. Moi, je suis vivante. On n'a plus rien en commun. On n'a rien à se dire. Elle veut parler.